Coucou tout le monde, me voilà de retour avec une petite vidéo de présentation de livre de coloriage de Mermaid, Grayscale Coloring Book de Jad Summer. Donc un petit livre que je veux vous présenter parce que j'aime beaucoup ce livre, c'est du Grayscale et j'adore quoi. Donc j'ai aussi une petite parenthèse à faire pour une petite personne qui m'a écrit et que je sais pas pourquoi j'ai pas pu y répondre, mais bon bref, pour ta petite info, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord. Le seul truc, c'est ne t'inquiète pas, ce n'est pas, de la fraude ou quoi que ce soit, c'est une amie que j'aime énormément qui m'offre un livre, point barre, un PDF, donc elle me l'a offert. Comme moi également, je lui offre des trucs. Donc, en amitié, c'est comme ça que ça se passe. On s'offre des trucs. Et vu que c'est du PDF, et elle m'offre du PDF. Et vu que je prends aussi du PDF sur Etsy, je offre du PDF. Donc, c'est comme si je donnais un livre de main en main. Donc, voilà. Mais il n'y a en aucun cas des trucs bizarres là-dedans. Donc, j'offre quelque chose à quelqu'un que j'aime énormément. Voilà. Ou elle m'offre quelque chose. Parce qu'elle m'aime un petit pneu. Donc voilà. Mais merci pour l'info quand même. C'est très gentil à toi. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien. Merci. Bisous, bisous. Voilà pour la petite parenthèse qu'on va refermer sur ce. Donc on est parti avec ce livre de coloriage. Donc comme je vous disais donc, c'est du Jad Summer. Je me mets bien en face. Oui. On est parti. Alors. C'est un livre qui a les coloriages en double. Un colo par page, donc vous pouvez faire ce que vous voulez parce que effectivement c'est du c'est des colos c'est un livre de colo, pardon, je vais pas arriver à le dire, qui sont, les pages ne sont pas épaisses, c'est du Amazon, donc forcément les pages, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du feutre, n'importe quel comme matériel, ça dérange pas. Par contre, si vous voulez faire de l'aquarelle, je pense qu'il vaudrait mieux d'abord protéger votre feuille ainsi que celle du dessous, peut-être en mettant du gesso, ou ne pas faire d'aquarelle, parce que je pense que ça va pas mal gondoler. Mais bon, voyez vous-même. On est parti pour la petite présentation, c'est un livre merveilleusement beau. En ce moment, j'adore les petites sirènes, j'ai toujours envie de colorer des petites sirènes, donc voilà, j'ai pris ce petit livre. Je vous mettrai également le livre en barre d'infos, le lien en barre d'infos, si ça peut vous intéresser. Mais il est vraiment très très beau. Et le Grayscale, ça nous permet aussi de voir un peu des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on puisse, comme les nuages, moi j'ai pas trop... c'est pas trop mon dada, donc... ça peut aider. J'aime beaucoup. Celle-là aussi. C'est bien pour faire l'eau et tout ça. Moi, j'adore ça. Bon, si je vais un peu vite, désolé. Faites pause. J'ai mon colo qui m'attend. Quand on voit ça, on a envie de faire toutes les pages. Ça, ça me fait penser au livre Magical Body Boti, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu. Elles sont très, très belles. Ce livre-là, j'ai dû le payer, je sais plus. En tout cas, moins de 10 euros, c'est certain. J'adore les cheveux. Je vais m'éclater dans ce livre.
Ça, c'est mon fils qui met la musique. Bon. Elle est belle celle-là. J'adore. Le trésor de la sirène. Très belle celle-là aussi. J'aime beaucoup. C'est un très très beau livre. On est arrivé à la fin du livre. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère que ce petit livre vous aura plu. Moi, je le trouve très très beau. Un lien sera mis en barre d'infos pour vous si ça vous plaît. Et puis, bah, je vous envoie plein de bisous et prenez bien soin de vous et profitez de votre dimanche. Bye bye, bisous.